Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau glitch qui va vous permettre d'avoir un véhicule invisible. Donc un glitch vraiment funny. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ce genre de glitch, sinon ils se font tuer par des gens invisibles en mode online. Mais je vais tout de suite vous rassurer, ne vous inquiétez pas. Avec ce glitch, les personnes qui seront invisibles pourront vous tirer dessus, mais ne pourront pas vous tuer. Donc vous verrez par la suite, j'ai fait un petit clip avec Blood pour vous montrer comment que se passe le glitch. Donc là c'est parti, on se retrouve en mode online, donc en session sur invitation pour ne pas être embêté par les autres joueurs. Là tout d'abord vous allez devoir rentrer dans un premier garage. Donc moi ce garage est rempli d'éléguiers RH8. Au moins si jamais la manip bug par la suite, je ne perdrai pas d'argent. Donc là vous prenez un véhicule, donc de préférence le véhicule gratuit. Là vous sortez de ce premier garage et on va devoir aller dans un deuxième garage où il n'y a qu'un seul garage dans ce bâtiment. Donc par exemple, comme le Popular Street qui est juste à côté, vous ne pouvez avoir qu'un seul appartement dans ce bâtiment et c'est ce qu'il faut. Là ensuite, vous vous arrêtez et vous volez un véhicule dans la rue. Donc moi, je vais prendre ce véhicule-là et malheureusement, regardez, j'ai eu des étoiles. Donc pensez à appeler Lester ou alors à mettre la petite option. Donc la police ferme les yeux pour pouvoir être tranquille. Donc là, j'ai essayé d'appeler Lester. Malheureusement, il n'était pas là. Donc je vous ai fait une petite coupure. Le temps que les étoiles s'enlèvent et que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, avec le temps, j'ai galéré à esquiver les flics. Mais c'est fait et on va pouvoir reprendre la manip tranquillement. Donc je retourne devant le Popular Street. Blood est à côté de moi et il va devoir lancer une course improvisée. Donc dans le menu interaction, il crée une course improvisée. Voilà, j'ai reçu une invitation. Et dès qu'il m'a invité, donc votre pote va devoir spammer le bouton croix pour lancer cette course le plus rapidement possible. Mais il ne pourra pas la lancer tant que vous ne l'avez pas rejoint. Donc ça c'est la manip que votre pote doit faire. Et ensuite on va passer à la manip que vous devez faire. Donc une fois que vous avez reçu l'invitation de votre pote, vous allez devoir l'accepter et rentrer dans votre garage le plus rapidement possible. Donc regardez, je vous passe la petite scène au ralenti. Là je reçois l'invitation de Blood, regardez, je sors mon téléphone. Je prends son invitation, je l'accepte. Rapidement, je fonce dans mon garage. Là j'ai un message d'alerte, garage plein. Je vais devoir spammer le bouton croix jusqu'à ce que la course se lance. Donc regardez là, je spamme le bouton croix. Mon ami, rappelez-vous, pareil, il doit spammer le bouton croix pour lancer l'activité. Et ensuite regardez, ça fait un retour. Le petit compteur de la course et j'ai mon véhicule qui est invisible. Donc le glitch a bien fonctionné. Donc là mon véhicule est invisible mais moi je me vois. Donc regardez, je suis assis dans un véhicule invisible. Par contre, la personne en face de vous, tous les joueurs de la map, ne vous verront pas, que ce soit le véhicule ou vous, ils ne verront rien du tout, donc vous êtes 100% invisible pour les autres joueurs. Mais comme je l'ai dit, les petits côtés négatifs, comme se faire tuer par un joueur invisible, ben, ne sont pas là, et franchement, c'est vraiment stylé. Et voilà, donc moi, je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde. Le Blood, il vaut rien. Dégage! Hop! T'es où, Kana, pour voir si ça marche ou si tu rentres dedans? Attends, alors je me mets devant toi, bouge pas. Contrôle fric. Vas-y. Ouais, là, je suis devant toi. Ouais, regarde ça. Allez, coucou! Attends. Allez, tiens, Blood! Attends, bouge pas, regarde. Genre, tu meurs pas, t'es. Non, mon gars, tu meurs pas! Et ça pète si je peux augmenter mon. T'as vu? Tu sens que je te tire dessus là? Ouais bah ouais, regarde, je te vois, t'es juste devant. T'es là, t'es pas. T'as vu, tu meurs pas. T'es là. Ah non, attends, moi je prends les balles, Sérieux? Mort de rire, bah au moins c'est un petit glitch funny qui pourront pas faire chier les gens, t'as vu? Moi je te tire dessus, tu meurs pas et toi tu peux me tuer. Ouais. Attends, j'essaie juste un dernier truc. Ah bah je peux même pas, j'ai pas de. Ah mais gros, je te vois pas, donc comment tu veux que je te tire dessus? Bah tu sais que tu m'as enlevé, allez, un quart de ma vie hein, quand tu. Ouais, avec la visée automatique, sors de la voiture, visée automatique. Non, c'est pas la visée automatique, regarde, elle va pas, mais je sais que t'es là vu que j'ai vu ton gun tirer. Ah là, oui, ici là, regarde. Ah ouais, t'es en train de me tirer dessus, ouais, tu peux me tuer hein. Ouais. Au moins si les gens ils. Bon, au moins ils peuvent pas tuer les gens, tiens, je fais un petit cadeau là, boum boum boum, allez hop, je suis plus là. Hii, coucou, je suis plus là. Et les flics, ils me voient. Les flics, est-ce qu'ils me voient, les flics? Je sais pas. Normalement l'intelligence elle te voit direct. Ah ouais, petite intelligence artificielle là. Ah regarde, il sort même pas, il me voit pas. Je sais pas, mais moi il me course après aussi hein, mec. Regarde, ah voilà, c'est. Je suis en voiture peut-être, c'est pour ça, mais sinon regarde, il me calcule pas, regarde. Tu lui es rentré dedans là, non? Ouais, le camion là, regarde, et bim. Je sais, tu dois être là quelque part, espèce de fumier. Attends, ah j'ai reculé pile poil au bon moment, elle était passée devant moi.
Regarde. Oh, t'allais dormir. Ah putain, tu m'as esquivé. Ça veut dire d'esquiver un truc que tu vois pas. Et pourtant, Blood le fait. Ouais. Hop, regarde. Hop là. C'est Blood. Attends, j'essaie de sortir de la voiture, voir si tu vois quelque chose. Moi j'ai Casper qui me suit. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, sinon je m'écrase. Attends, je sors de la voiture. Vas-y. Tu me vois là? Non. Ouais. Ah bah non, je peux plus rentrer dans la voiture, c'est ce que j'avais peur tout à l'heure. Ouais. Et tu me vois pas là? Si, là je te vois, là je te vois. Voilà. Juste toi, plus de voiture. Ah bah la voiture elle existe plus, je peux plus monter dedans. Ouais. Au moins les gens savent que. C'est stylé. Ils sont au courant quoi. Ouais, franchement, c'est un bon petit truc sympa. Et ce qui est vraiment stylé, c'est que t'es invisible, tu vois, personne te voit. Je te l'ai dit là, ça va fonctionner, je l'ai vu tout de suite à ton timing. Tu peux troll les gens, tu vois, tu peux troll les gens à leur rentrer dedans et tout, mais tu peux pas les tuer. Donc, ouais, tu vois, voilà, c'est vraiment. Et par contre, si tu fais trop chier les gens, eux peuvent te tuer, donc c'est pas mal.